De sensibilisation sur la protection des grands singes, nous avons l'honneur de recevoir ce soir à 17h Chani, président de l'association Kalawen qui travaille auprès des gibbons en Indonésie. Venez découvrir son métier et sa passion au travers d'une conférence gratuite au Lot de Ville, au bout des volières d'ici 5 minutes. Merci. Ever since the days of old, men have searched for wealth untold. They dig for silver and for gold and leave the empty hole. And way down south in the Everglades, where the black water rolls and the sawgrass sways, the eagles fly and the otters play. C'est drôle. Donc pour Flo, alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Elle a fait ça bien, non? Ah oui. Félicitations. Donc c'est Florian, il est là, c'est Florian. D'accord. Génial. Génial. In the land of the Seminole. So blow, blow your Seminole wind. Troisième. J'espère avoir le livre. Bah oui. Bah, Muriel, c'est ça, de vocation nature. Non, ce troisième, c'est pas Romain. Vous avez reçu de ma femme, c'est Carlo qui vous a envoyé ça. Voilà, super. Ça fait un montage. Génial. Super, ben merci en tout cas de votre soutien. Merci pour lui. Ça se passe bien. Ça se passe bien, ça va, oui. Oui, oui, ça va. Blog, hein. Oui, bah oui. Ben Martien, le pauvre, il a perdu son papa. Dans le... Ouais. Ouais. Ça m'avait vraiment touché son papa parce que c'était un des jumeaux qui était positif à l'hépatite B depuis longtemps. J'ai vraiment cru pouvoir le sauver. Que... Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc il va rester avec sa maman. Et puis quand il sera un peu plus âgé, on mettra en couple et on va réessayer de donner un mâle à sa maman. Ce qui est prévu, mais c'est pas pour tout de suite, parce que tant qu'il s'entend bien avec sa maman, comme le lien est très fort, je préfère les laisser ensemble. Voilà. C'est vrai que Martine nous manque, son papa nous manque. Il était important. En tout cas, merci de suivre comme ça, c'est ça. Félicitations. And in the name of flood control, they made their plans and they drained the land. Now the glades are going dry. And the last time I walked in the swamp, I sat up on a cypress stump. I listened close and I heard the ghost of Osceola cry.